Nouvelle de dernière heure maintenant, le cardiologue réputé Éric Sabat, qui avait appelé au grand nettoyage dans la bande de Gaza, a plaidé coupable devant son comité de discipline. Yves, il est passible d'une amende plutôt salée. Absolument. Le docteur Sabat de l'hôpital Pierre-Boucher sur la rive sud de Montréal, Marianne, est passible d'une amende de 25 000 $ à la suite de son plaidoyer ce matin devant le comité de discipline du Collège des médecins. Donc, il a effectivement porté atteinte, si vous voulez, à l'honneur et à la dignité de la profession. C'est une publication controversée dont vous en faites état. C'était en novembre dernier sur Facebook où il disait notamment, et je le cite, « C'est fini pour Gaza et le Hamas. C'est l'heure du grand nettoyage. » Le médecin, évidemment, a retiré très rapidement la publication par la suite. Et voilà qu'il reconnaît sa culpabilité. Et fait très intéressant dans ce dossier, il y a quand même eu, Marianne, plus de 1100 plaintes à l'égard du médecin qui plaide coupable. Alors voilà pour cette nouvelle de dernière heure. Yves, tout autre dossier, parlons du métro de Montréal parce que la STM veut renforcer la sécurité des usagers. Oui, ce matin, on nous a annoncé en direct de la station de métro Place des Arts, j'y étais, de nouveaux postes. On appelle ça des ambassadeurs de sûreté. Vous allez voir des images. Les deux employés se trouvaient justement aux côtés d'Eric Caldwell, qui est le président de la STM. Ils auront notamment pour rôle, Marianne, il y en a à peu près 6, mais ils seront éventuellement une vingtaine. Ils auront pour rôle de faire des signalements en lien notamment avec la présence de l'itinérance, les vols, la drogue, la santé mentale et j'en passe. Donc, feront des signalements notamment aux constables spéciaux, aux agents du SPVM qui patrouillent également le métro de Montréal, mais ils auront également un rôle important au niveau de l'accompagnement de la clientèle. Par exemple, quand il y a des pannes, des arrêts de service, on pourra réorienter les gens. Je vais faire entendre une réaction obtenue ce matin. Notre métro est somme toute sécuritaire. Ceci dit, bien oui, il y a des enjeux, il y a des situations et il y a des personnes, et on le conçoit, on le comprend très bien, qui parfois ont peur de prendre le métro pour plein de raisons. Il n'y a rien de mieux qu'une présence physique d'employés, de forces de sécurité de la STM. On agit sur ce niveau-là, mais on agit aussi sur d'autres niveaux. On agit avec, comme je vous le disais, des stratégies d'enquête plus ciblées pour régler le problème à la source souvent. On travaille sur des stratégies de marche exploratoire où, entre autres, un des éléments qui est noté, c'est peut-être, parfois, dans certains coins, un manque d'éclairage ou un éclairage inadéquat où on va venir justement corriger ces situations d'éclairage. Marianne, quelques données fournies tantôt lors de la conférence de presse en 2023, l'an dernier. 47 000 appels d'intervention en métro de Montréal versus 42 000 en 2022. 17 000 en itinérance seulement et 600 prises en charge. Voilà pour cette affaire. Merci beaucoup, Yves. Au revoir. Merci à vous.